Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée. Mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. C'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Et là, il me demande ma montre et moi, je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé, mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussmann la première semaine, mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Stiles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent. Sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran. Mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc? Quel, mes soldats. Ouvre mes arrières depuis Catherine. Zussmann, 3 fois en 10 secondes. Il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux... Zussmann. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de foot. J'avais mis au point un système où ils allaient me décrire leur donne. La tête du quoi. Voilà en arnaque. On se fait plumer. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh! Briefing à 18h, on est en retard! Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer, qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. On se croit spécial, hein? Les Boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Sussmann. En marche! Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est
pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach, Johnson, avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé hey, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir que t'attendes qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Vous venez, vous. Vous enterrez pas sur la plage. Vous devez avancer. Stébé, c'est dispersé. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Allez, vous. En toutes circonstances et partout. Allez, ça va être l'enfer, les gars. T'as peur, soldat ? Non, monsieur. Tu devrais. Daniels ! Y'a du feu ? Bien sûr. Let's go!
Non. Emporte cette Bangalore jusqu'à la digue. Il faut qu'on atteigne ces bunkers. Daniels, souviens-toi de ton entraînement. Ramasse-moi ce pétard. Tu peux le faire. Oui, chef. Oh mon Dieu. Daniels, pas jusqu'à cette digue. Continue jusqu'à la digue. On se retrouve là-bas. Maintenant, ouvre une brèche dans la digue.
chargé. Bouge-toi.
digue! Continue jusqu'à la digue! On se retrouve là-bas! Sale blessure! Tiens, utilise ça! Merci, l'ami! Ok, c'est parti!
Balance,
On doit les éliminer! Merci, ça va mieux. Daniel, balance un fumigène. Balance une grenade. Par ici! Voilà pour toi! Bougez-vous, allez! La fille vite la place! La prochaine vague d'assaut ne passera pas! Fumigène! Fumigène! La prochaine vague d'assaut ne passera pas! Fumigène envoyé! Fumigène!
Halte d'activité! Lancez de fumier! Sie haben ihn mit... Yaki! Feuer! Il me faut cette trousse de secours. Voilà pour toi. Toi et Zisman, nettoyez le dernier bunker. Ralliement en haut de la falaise. Allez, Zisman. Encore une. J'envoie une fumigène. C'est du bunker. Allez, Zisman, encore.
copains. On va y arriver. Allez, Zussmann, encore un. On va y arriver. Moi, j'ai les grenades. Les chats de sable. Les boches décrochent. On a tué tout le monde. Ils s'enfuient. Grenade. Ils tentent une manœuvre. Ils quittent leur abri. Grenade lancée. Ils quittent leur abri. Zussmann, encore un. On va y arriver. J'avance. Allons-y. Les chefs de frappe. Grenade. Pression à l'ouest. Ici, mon pote. Mes jambes. Oh
merde! Sors-moi d'ici, putain! On va te sortir de là, reste avec moi! On doit rejoindre ce PRB! Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces Parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai. Mais bien sûr. Je peux jeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu ici. Non, 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 tu dois pas t'endormir. Daniel! Je suis là. Aide-moi. Bordel, qu'on fasse venir un infirmier! Je m'occupe de lui, vas-y! Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniels. Écoutez, il y a un canon GPF dans une ferme près de la route. Il bombarde la plage. En route! On viendra te chercher. Vérifiez vos munitions et vos grenades. C'est compris. Direction la route. On y va. Daniels, j'ai des munitions. Je suis à sec, chef. Tiens, soldat. Allez, dépêchez-vous! Ils ciblent la plage d'obus! Mitrailleuse dans le module! Mettez-vous
la plage d'obus. Mitrailleuse dans le funnel. Mettez-vous à couvert. Visez cette mitrailleuse. Reprendre ce canon. Tenez vos positions. Ils ne doivent pas passer. Attention. Ils arrivent. Ouvre le feu. Que quelqu'un prenne la mitrailleuse. Tes munitions, Daniel. J'ai des munitions.
munitions pour toi, soldat. Chef, des munitions. Daniel, la thermique. Ça va péter. Bon travail, Daniel. Allez, les gars, rendez-vous au point de ralliement. Personne. Il faut un bilan des pertes. On a perdu beaucoup de soldats. On a pris la plage. On a payé au prix fort. Daniels. Bordel, je pensais avoir tout vu. Il va s'en tirer. Ouais. Ils l'ont plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant. Hé, hey, tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on est quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie. À la mort. Tête de pont établie. On bivouaquera à la deuxième haie après la crête. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin? Aucun de nous n'était préparé. Mais t'as vraiment assuré. Merci. Je... Tout ira bien, fiston. Merci. Oui, monsieur. Tout ira bien. Je sais pas quel abruti a décidé que c'était le meilleur moyen de reprendre l'Europe, mais il y a une chose qui est sûre. Cela fait 7 semaines depuis le jour J. Nous quittons la Normandie pour aller plus dans les terres et sécuriser. Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien. Même si c'est jamais assez pour personne. Mais ça, on est habitué. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec deux jolies médailles autour du cou. Et avant ça, il faut qu'on prenne Marigny. Schmeling contre la Mota. Je pense que Schmeling aurait mis la Mota KO. Impossible. Et Schmeling, c'est un nazi. Je le buterai sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour leur propagande, il n'a pas eu le choix. On a toujours le choix. Mmh. Nietzsche disait que seulement toi, on t'a pas sonné, d'accord. Et si je te dis Louis contre Sugar Ray Robinson? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne haut la main. Regardez un peu qui voilà. Tu devais pas revenir la semaine prochaine? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marigny sans moi. Tout roule comme sur des roulettes. On pourrait même être chez nous à Noël. Bon, bah allez, montre-nous. D'accord. Pas mal, hein? Waouh. Ouais, j'ai vu pire. Content de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Les taillis sont bien défendus et on a eu vent de plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont à nous. Et si Zussmann peut revenir malgré une telle balafre, c'est que la chance doit être de notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, nous protéger est une vocation. On y va! Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues.
direction, on repart. Allez, allez. Hey. Une blessure pareille, mais 8 semaines à guérir. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien mis, hein. Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Le char démarre! Accrochez-vous, les gars! Ça va secouer! Comme toujours, non? Je pense que Pearson t'a à la bonne! Ouais, comme un lion m'aurait à la bonne. Allez! Allez! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup! Et toi, ça va? J'allais pas vous laisser vous marrer seul. Oh, pas de danger avec Pearson! Tu sais pourquoi il t'a dans le nez? La passe de Catherine! J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais, et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuire, et ses hommes y sont restés. Mission à foirer, un vrai massacre. Les nazis ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Turner l'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Et Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrille. Eh ouais, ça y est, tu piques. Voilà pourquoi il renoncera pas. Il tuerait pour rattraper le coup. Vous savez pourquoi je tuerais, moi? De la vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Eh, on se fait un petit barbecue? Ils avaient aucune chance. Les obsèques se feront à cercueil fermé. Eh, c'était un être humain. Non, c'était un poche. Daniel, ça a raison. Il y en a des biens. On peut citer Kepler, Mozart... C'est pour moi, Einstein. Marlène Dietrich. Ah, ça me parle plus. Sans oublier les inventions comme la presse à imprimer, le microscope... Les saucisses. Vous abusez, les gars. Vous entendez? Ils se dirigent vers nous. Stuka, on approche. Merde! Allons, dégage-toi! Éloignez-vous de la route! On fera une boucle! Allez! Allez! Avec moi! Allez, allez, allez! On doit protéger le Sherman! Je vois des tirs de DCA là-bas! Prenons l'un de ces canons pour descendre ces Stuka! Allez, on doit détruire ces...